Bonjour mesdames, c'est Isabelle. J'espère que ça va bien chez vous. Hey, ici, c'est le gros soleil. Hey, on en profite, hein? Je parle pas fort parce que mes cocos font dodo dans la garderie en bas. Et je me suis dit que je prendrais 2 minutes pour vous montrer ma boîte Paper Pumpkins du mois de mars. En fait, c'est une boîte spéciale. Puis, je fais ça en haut dans ma cuisine parce que ils ont du sommeil léger, puis j'avais pas envie de les déranger. Fait que je vais tourner ma caméra de bord et je vais vous montrer ma boîte du Paper Pumpkins du mois de mars, qui est une boîte spéciale. Donc, si je me rappelle bien comment faire, là, je vais tourner. Ah, et c'est ici. Et voilà. Donc, voilà ma boîte du Paper Pumpkins du mois de mars. C'était une boîte spéciale pour souligner les 6 ans de Paper Pumpkins avec Stampin' Up. Vous voyez, là, je ne l'ai même pas ouvert encore. Donc, je vais faire ça avec une main parce que j'ai mon cellulaire dans l'autre et que je ne suis pas dans mon atelier. Donc, déjà, en partant, la boîte est très belle. Et on nous avait annoncé qu'il y aurait un jeu d'étampes supplémentaire dedans et que ça serait un jeu d'étampes autant anglophone que francophone. Et voilà, ce sont des gros chiffres merveilleux. J'en avais pas. Donc, je suis vraiment très, très, très heureuse d'avoir des gros chiffres comme ça. J'avais même pas de jeu d'étampes de chiffres merveilleux. Et celui-là ici, le Happy Birthday, il y a une chandelle, un petit chapeau, puis des confettis. Donc, Paper Pumpkins, c'est une boîte surprise qu'on a à tous les mois. Et pourquoi j'en profite pour vous en parler après-midi, c'est que si vous vous abonnez pour 3 mois, Paper Pumpkins, vous avez un cadeau célébration avant la fin du mois de mars. Si vous prenez un abonnement de 6 mois, vous avez 2 cadeaux célébration. Ça veut dire 2 cadeaux gratuits. Donc, c'est vraiment le fun. Moi, les autres années, j'en prenais pour 3-4 mois à peu près dans l'année. Là, je me suis gâtée. En janvier, j'ai acheté un abonnement pour 6 mois. Donc, j'ai reçu celui de février. Je reçois celui de mars. J'en ai encore pour 4 mois. Si toutefois, je voudrais sauter un mois pour dire qu'en juin, j'en veux pas pour X raisons, ben, j'ai juste à aller sur mon application puis aller dire ben, saute ce mois-là. Puis, je vais avoir les 2 autres d'après. Donc, mon cadeau Paper Pumpkins. Ben, bon, mon cadeau. Oh, c'est comme un cadeau à tous les ans qu'on peut. Pas à tous les ans, mais à tous les mois qu'on reçoit. J'essaye avec une main. C'est vraiment pas facile. Attendez un petit peu. Je suis pas dans mon atelier parce que mes cocos de la garderie font dodo. Et que c'est pas facile. J'ai pas envie de se réveiller. Les dodos, des fois, sont fragiles. Donc, ça va être des cartes d'anniversaire. Ici, c'est de la colle. Non, je pense que c'est des rubans brillants. Je pense que c'est une bande de rubans brillants. Fait que là, c'est sûr que vous, là, vous ne pouvez pas l'avoir, ce kit-là. OK? C'est le kit du mois de mars. Ça va être ça. C'est le kit du mois de mars. Ils sont déjà tous envoyés. Mais vous pouvez avoir en vous abonnant ceux du mois, les autres mois suivants. Là. Avril, mai, juin et toutes celles que vous voulez. Donc, quand on reçoit un kit Paper Pumpkins, tout est déjà prédécoupé. Donc, toutes mes étiquettes sont là. Ici, vous voyez, je voulais vous montrer. Là, ici, c'était des petits points de colle. Puis ici, c'est des dimensionnels. Ça, je suis pas mal sûre que c'est un ruban brillant. Parce qu'à la caméra, ça paraît pas, mais moi, quand je la regarde, là, en tout cas, je pense que c'est ça. Les enveloppes sont fournies. Tout, y compris dans un abonnement Paper Pumpkins. Et même la première boîte Paper Pumpkins que vous recevez, vous avez même un bloc d'acrylique. Ici, c'est des petites chandelles pré-découpées puis pré-encollées.
Et voici les cartes. Et voilà, c'est des découpes. Ah, ça va être cool. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Ça va être la carte. Je vais vous la monter. Ici, c'est une carte en trois dimensions. Quand on va la plier, on va avoir les petits gâteaux qui vont ressortir. Enfin, oui, j'ai des cartes de petits gâteaux. On s'entend que rose, c'est peut-être un peu pas mal pour les filles. Mais, regardez ici, j'en ai des vanilles. Donc, ça peut être une carte masculine. Après ça, j'ai des petites boucles. Et j'ai des bases de cartes. J'ai des étiquettes. En tout cas, vous voyez là comment que j'ai du stock pour mon abonnement du mois de mars. C'est vraiment cool. J'ai tout ça. Donc, je vais m'amuser prochainement avec ma fille, quand son plâtre va être enlevé, pour faire des cartes Paper Pumpkin. Donc, je vous rappelle que à vous abonnant à Paper Pumpkins pendant 3 mois, vous avez un cadeau célébration. Si vous vous abonnez pour 6 mois, vous avez 2. Voyons, j'ai de la misère avec mes doigts. 2 cadeaux célébration. Donc, profitez du beau soleil aujourd'hui. Allez prendre une marche. Moi, je suis dans ma cuisine. Je suis tellement bien. Donc, si vous avez des questions, scrapbooktoujours.com. J'ai un onglet Paper Pumpkin. Je vous invite à aller lire toutes les infos là. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour poser des commentaires ici. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.